し、人類は巨人に勝てないぞ。バカなことだ。なんで俺を引き戻した。オールマイトよりも見つけたすごい人だったんだ。おいおいおいおい、俺が仕留める。Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un live reaction, ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description, sur le chapitre numéro 119 de l'attaque des titans. Alors je n'attendais pas à l'avoir aussitôt, hein, honnêtement, là j'ai passé la journée à la Japan Expo et je me suis dit bon, je crois qu'on est le 4 si je dis pas de bêtises, hein, je suis un peu fatigué en ce moment, et donc normalement les leaks n'arrivent pas avant le 5 voire le 6, donc je suis plutôt tranquille, et puis on aura comme d'hab l'épisode, enfin le chapitre le 7, et puis la version française le 9. Et finalement, eh ben, on m'a pris de court là, pendant que j'étais là de Japan, on m'a dit « Marco, les spoils sont sortis », et puis quand je suis rentré, il y a eu là, carrément l'épisode, enfin le chapitre en RAW, donc j'ai pas eu le temps de voir les spoils pour une fois, c'est quand même assez rare. En général, vous le savez, je fais une vidéo sur les spoils, là, j'ai attendu, j'ai vu qu'il y avait le chapitre en RAW, je me suis dit « Demain, il y aura sans doute la version anglaise. » Eh ben non. Les mecs étaient tellement pressés d'avoir la version anglaise, là, qu'ils l'ont fait déjà. Du coup, bah, on se retrouve là, dans la soirée de jeudi à vendredi. Et c'est le moment pour moi de découvrir ce chapitre avec vous. Parce que, vu le peu de choses que vous avez dit dans la zone commentaire de toutes mes vidéos, hein, que ce soit SNK ou pas, « Oh, les spoils sont ouf, tu vas vraiment criser et tout. » Là, j'ai peur. Soit ça va être un chapitre génial, enfin en général les chapitres de SNK sont tous géniaux, mais soit ça va être un chapitre qui va énormément me hype, soit il va énormément me vénère, et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Braun Gaillard, ne laissez pas le titan bestial et le fondateur se retrouver, être en contact. Oh, eh, c'est marrant ça, je savais pas qu'ils avaient réussi à faire un trou. N'empêche là, s'ils ont réussi à faire percer le titan de Eren quand il s'est cristallisé à Shiganshina, ils sont en théorie capables de libérer Annie. Est-ce que Annie serait déjà libre? Alors, je sais pas, mais là, s'ils ont réussi là, je vois pas pourquoi ils réussiraient pas pour Annie. Bon, après, ils peuvent évidemment détruire le truc et que ça tue Annie, donc c'est pas forcément la meilleure solution. Hein. S'ils utilisent le titan fondateur, le pouvoir du titan fondateur, c'en est fini. Mange le fondateur avant que ça arrive. Ah bah oui, cache quoi. Rainer, il a un peu la pression quand même là. Hein. Finalement, Eren, comme toujours, tu es la dernière personne qui aurait dû avoir ce pouvoir dans le monde entier. C'est marrant, c'est ce qu'il disait déjà dans la saison 2 de mémoire, quand il a découvert qu'il avait ce pouvoir-là. Je crois que c'est quand il arrive et qu'il donne les ordres au titan, là, après avoir touché le souriant. Grand frère et petit frère, chapitre 119. Ça fait forcément référence à Eren et à Sig, mais je pense que... Oh. N'empêche, quand tu regardes là, tu vois, ils sont dans la merde. Là, c'est joli le plan où tu vois Eren en titan et en normal, là, qui sont en train de bien rageux, là, qui avancent vers Sig, et hop, oh, t'as le mâchoire qui débarque et qui le chope. Et oui, c'est pas fini. C'est marrant, pourquoi il bondit sur la jambe? Moi, j'aurais bondi sur la nuque, hein, ça faut rester logique, mais enfin bon, tant pis. Oh, il a l'air vénère. Oh, le coup qu'il vient de prendre là, il lui a défoncé la nuque quoi. Bah oui, lui il est pas con, Eren il touche la nuque. Hein. Aïe 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 aïe. Gaillard il est dans la merde. Oh, il se fait défoncer. Oh, bah. Il vient lui couper la main et lui défoncer la tête encore. Mais attends, il a réussi à se reformer? Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Je veux dire, il avait quitté sa forme de titan et derrière, il y avait son squelette avait encore le truc là. Comme il l'a fait pour remonter, le réinstaller bien et tout, le clipper. C'est ouf. Latin, ils sont balèzes, hein. Et ils ont arrêté son mouvement, ouais. Maintenant, on va niquer le bestial. Oh, 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 derrière, il y a les copains qui arrivent. Tu arriveras peut-être pas. Les ennuis arrivent. Il est, mine de rien, tu vois, le titan charrette, je pense que personne l'aurait vu aussi utile. Bon, après, c'est parce qu'il est armé, hein, on est d'accord, mais personne n'aurait jugé le titan charrette aussi utile. Il s'est vraiment, encore une fois, t'as géré, parce que jamais j'aurais pu imaginer qu'il serve à quelque chose, limite, quoi, à part ramener des cailloux à Sig. C'est vrai que j'avais du mal à voir autre chose chez lui, quoi. Ne le laissez pas tirer. Attends, c'est qui, là? Je reconnais pas, c'est Armin? Ah non, Armin, il est en bas. C'est le titan charrette. Nous devons faire quelque chose pour lui en premier. Ouf. Ah là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait shooter? Attends, c'est quoi? C'est
Oh, c'est une lance. Ah oui, c'est la lance foudroyante. Il a balancé la lance foudroyante dans la fenêtre, YOLO. On ne peut pas passer. On doit faire la. On doit revenir en arrière. C'est rempli d'ennemis dans les maisons. Et on doit d'abord s'occuper de l'armée de Marley. Ça, c'est un problème parce que du coup, s'ils peuvent pas aider Eren, c'est la loose. Hein. Ah! Ça y est, les soldats arrivent. Ça fait bizarre de les voir hein, à cheval. T'as tellement l'habitude qu'ils fassent ça que dans la prairie et qu'en général en ville c'est toujours tridimensionnel. Après, il avait dit Pixie qu'il n'y avait pas assez d'équipement. C'est mauvais signe pour eux. Vous êtes en train de vous approcher de l'endroit où il y a de la baston, c'est-à-dire de l'endroit où il y a Six, c'est-à-dire de l'endroit où vous allez être transformé en titan, les mecs. Ouais, on va prendre les ennemis par derrière. En tout cas, avec leur aide, ça va bien se passer là. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, ce n'est pas. Le combat. Oh, voilà, ok. C'est comme le commandant Pixie a dit, il faut les prendre à revers. Tout à fait. Toi, tu les vois là. Hop, donc ils essaient de faire le tour pendant que les mecs ils montent sur les maisons plus difficilement. Ah, c'est joli l'image là. C'est quoi, c'est Yelena en fond là? C'est bizarre. Ouf. Oh, mais Sig, il est juste détruit. Il est détruit, regardez. Le corps, il s'est pas reformé, on voit encore. N'empêche, il doit avoir tellement mal. Ça doit faire tellement mal d'avoir la moitié du corps qui te manque comme ça là. Waouh, c'est ouf quoi. Alors, j'ai chuté sur le sol, j'ai été frappé. Et pendant ce temps, t'as Eren qui se bat avec une main en moins face à Rainer. Eren, réveille-toi, Porco. Nous l'avons bientôt eu. J'ai besoin de ta force. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le toucher là? Mais pourquoi faire? Ah, il y a un flashback. Attends, c'est quoi qu'il a touché? On regarde là. Ouais, c'est le titan. Mais pourquoi en fait, pourquoi tu l'as touché? Tu pensais vraiment que ça allait marcher? En tout cas, flashback de souvenirs là. Rainer, je suis désolé. C'est là, il a la vision de. Bah, de Marcel en fait. C'est vrai. J'ai fait en sorte que. Même si on pensait que tu ne serais pas choisi comme guerrier. J'ai fait en sorte de parler mal de mon frère. J'ai manipulé l'armée pour leur faire, pour que ce soit pas lui qui est le titan bestial. Enfin, pour que c'est pas lui qui est le titan. Je voulais protéger mon petit frère. Oh là là, le choc pour lui! Le choc pour lui! Et finalement, tu l'as protégé mon cul, oui, puisque tu. Il a le pouvoir du titan maintenant. Aïe 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 aïe, c'est fou quoi. Oh là là, il lui manque il lui manque un bout du crâne quoi, mon dieu, mais c'est tellement ouf quoi. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il a enfin, pourquoi il a ce flashback maintenant, je comprends, mais pourquoi on le montre maintenant? Quelle est l'utilité après? Est-ce que ça va le déprimer, dégoûter? Est-ce qu'il va changer de camp? Est-ce qu'il va rejoindre les Eldiens après ça? C'est chelou. Ouh là là, attention, c'est le moment. Non, tu es encore en vie, Zeke. Hein, il y a intérêt à ce que vous fassiez quelque chose, mais vous êtes occupé avec le bataillon d'exploration qui est sur vous encore. Hein. Eren, maintenant, j'appelle les Titans. Ouh là là. C'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Wait. Pourquoi il lui dit wait? Pourquoi il fait ça? Tu sens que là, y a un truc qui va pas. Pourquoi il veut absolument pas qu'il le fasse? Parce que là, il est dans la merde quand même. Et pourquoi il attend? Wait, please. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'ils font là? Falco a accidentellement bu ton liquide cérébro-spinal. Ne crie pas. Oh, boum! Révélation. Madame, normalement, ils sont ennemis, donc ils devraient s'en foutre en théorie, hein. What? Tu sais très bien, Zeke. Je devais prendre la succession du bestial, donc ma famille ne sera pas envoyée au paradis. Envoyée au paradis, ils le font encore ça, envoyer des gens sur l'île, je crois pas. Hein. Brother, laisse-moi y aller. Pour être honnête, avant que tu m'as trahi, je ne savais pas qu'est-ce que tu pensais réellement. Je ne pensais pas que tu étais la type de per... Je ne pense pas que tu es le type de... Non, mais je pense que tu n'es pas le type de personne à impliquer des enfants aussi facilement. Ne me dis pas que tu vas juste rien dire et... Attends, just keep silent like that... Non, ouais, me dis pas que tu vas le faire, quoi. I only want to you... Je veux juste que tu attendes... Jusqu'à ce que Falco soit assez éloigné pour faire ton cri. Oh bah, Sig, il dit quoi? C'est quoi ce bordel? Après ça, tu pourras tuer tout ce que tu veux, comme tu veux, les Marley, les Eldiens, tu peux tuer tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, n'implique pas mon petit frère. C'est fou ça, tu sens l'amour fraternel. Finalement, c'est peut-être que grand frère et petit frère, c'est peut-être lié
à ça et pas à Sig et Eren, quoi. Mais en tout cas, je trouve que c'est touchant, mais tu te dis, t'es con. Si tu voulais t'éloigner assez pour que le cri soit pas effectif sur ton frère, fallait pas aller en direction du bestial, fallait aller à l'opposé, quoi. Moi, ça me dépasse un petit peu, quoi. Falco, vite, monte sur le cheval. Ne reste pas aussi près, Gabi. Oh là là, je sens que ça va pas le faire. Je sens que ça va pas le faire et qu'il va crier. Cold. Les sentiments que tu as pour ton petit frère, je les comprends très bien. C'est pourquoi c'est dommage. Aïe 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 aïe, non, il va pas le faire, il va pas le faire. Oh putain, il crie. Putain, il crie devant eux, quoi. Oh non, 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 c'est le pire moment pour eux. C'est... Non, 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 c'est... Non! Mon Dieu, c'est d'accord, c'est pas grave, Falco, reste là. Non, yo, Big Brother, tu dois rester... tu dois t'éloigner. Ton grand frère restera avec toi jusqu'à la fin. Oh non, c'est horrible. Et la pauvre Gabi qui va encore vivre un putain de traumatisme, quoi. Oh non. Non, oh, c'est tellement... Oh, non. Oh, la scène. Oh, non. Oh, putain. C'est ouf. C'est tellement touchant. Oh, c'est rare que je dise ça, mais la dernière fois que j'ai été comme ça, c'était pendant l'arc Yakuza de My Hero Academia, où il y a un moment qui m'a énormément touché, mais là... Oh, mon Dieu, regardez. Il lui fait un câlin. Lui, il regarde Gabi. En tendant la main pour lui dire de s'éloigner, ils vont mourir tous les trois à tous les coups. Enfin, lui va se transformer en titan et tuer les deux. Oh non, et là on voit, non, putain. Oh non, lui qui avait sauvé Nail, qui avait sauvé le gamin, qui va se transformer en titan, mon Dieu. Pixie qui boit de l'alcool pendant que l'autre il est en train de tirer. Oh putain, t'es irrécupérable, Pixie. Et qui ferme les yeux parce qu'il comprend ce qui se passe. Oh putain, c'est tellement ouf. Et putain, ça dans l'animé, ça va être hallucinant, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mon Dieu. Et là voilà, qu'est-ce que c'est? Les ennemis sont transformés en titans. Je vais chercher le fusil à titan. C'est vrai qu'ils ont carrément des fusils à titan, quoi. Putain, toute l'armée qui leur arrive dessus. J'espère qu'on va voir la gueule de Pixie. Je veux le voir, Pixie en titan. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Oh là là. Là, même avec les fusils, mon pote, tu fais rien là. Ah, mais c'est quoi cette gueule horrible? Oh mon Dieu, mais il est horrible ce titan! Eh, mais c'est Falco? Ah oui, fais-le, Falco. Tue Reiner! Putain, il lui fonce dessus. Oh là 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 là. Il a une bouche, mais dégueulasse. Attends, je remonte. C'est quoi cette bouche? T'as vu, les dents sont collées au nez déjà. Bon, il n'y a pas de lèvres. Et puis, t'as l'impression que la mâchoire, elle va hyper loin aussi, quoi. Oh mon Dieu, c'est ouf, quoi. Oh là là, Reiner, là, c'est le moment, tu sais pas quoi faire, hein. On pensait tous qu'il allait se sacrifier. Et finalement, non, quoi, j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Oh mon Dieu, Colt. Oh putain, il est... Oh merde, franchement, c'est tellement triste, quoi. Tu te dis, le mec, il a eu une vie de merde, il a été un Eldien chez Mar, il s'est fait persécuter, il a vu son frère... Enfin, il a vu son frère... Se transformer, il savait que son frère était condamné à se transformer en titan, il lui fait un câlin à la fin en sachant qu'il va mourir. Alors qu'il aurait dû hériter du bestial et que tout est perdu parce que Sig les a trahis. C'est tellement touchant tout ça, franchement. Oh mon Dieu. Alors, se battre contre trois titans est impossible. Eren pourrait s'échapper. Pourquoi trois titans? Il n'y en a que deux là. To be. Voilà, pour se faire bouffer la nuque. Par Falco, je... Oh là, boum! T'as pas le temps de dire ta phrase, mon pote. Et oui, Eren qui fait du catch et qui donne un putain de coup de pied à Reiner. Oh non, derrière, il y a Falco qui est en train de le bouffer la nuque. Oh non! Oh, la scène horrible, c'est vraiment le... J'aurais jamais imaginé ce moment-là comme ça. J'aurais vu un truc un peu plus émouvant, tragique, tu sais, où t'as Reiner qui prend conscience, mais là, il a pas le temps! Il a pas le temps! Il est occupé à empêcher Eren d'atteindre Sig, donc c'est ouf, là. Il va pas le laisser faire, du coup. Il va devoir se battre contre lui. Oh! Il s'est fait à nouveau shooter, Sig. Putain. Il s'est fait à nouveau shooter, quoi, abusé. Oh là là. Mais comment il fait pour... Ils ont détruit tout. Non, mais vous êtes pas doués, les mecs du bataillon qui étaient là-bas, là. Vous êtes des nuls ou quoi? Enfin, les manchots, quoi.
Alors, est-ce que quelqu'un est mort? Ce coup-ci, hein, j'ai réussi à l'avoir, il n'y a pas de doute. Pour moi, le danger est parti. Oh, ça y est. Et ouais, c'est fini. Putain, s'il est vraiment mort là, t'as tout le plan qui tombe à l'eau. Ce serait ouf, quoi. Ce serait ouf. Voilà, on n'a plus rien. On va dire, il va quand même viser la tête de Eren là. Hand over your spinal fluid. Oh, d'accord. Ouais, en fait, il veut récupérer son pouvoir en plus avec ça. Donc, il veut pas le buter là. Il veut essayer de le neutraliser, j'ai l'impression. Ah, mon dieu, c'est dingue quoi. Oh! En se foudroyant dans ta gueule, Pique et Magath. Je crois que Magath, il est mort là. Parce que là, c'est en plein sur Magath qu'il a tiré. Oh, c'est ouf, c'est ouf. Un peu plus longtemps et ça aurait été trop tard. Et oui. Ouf. Oh oui. Oh oui, Mikasa qui débarque et qui sauve la game. Oh, tellement classe. Rate ça comme elle est classe, quoi. Elle arrive avec les deux bras comme ça là. Oh, super stylé. It's over. C'est déjà trop tard. C'est fini pour vous. Putain, il fait vraiment peur le titan charrette comme ça, je trouve. Franchement, Pique, t'es badass, hein. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là tu vois, bon, le bestial est en train de devenir un squelette, c'est mauvais signe. Et pendant ce temps, Rainer se fait croquer. Normal. Chrom, 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 chrom. Tu reprendrais bien un bout de nuque, Falco, vas-y. C'est fini, Eren ne pourra plus utiliser le pouvoir du titan fondateur. Nous avons réussi notre mission. Oh putain, et là il va se laisser bouffer. C'est d'accord. Allez, on y va. Je vais juste enlever l'armure de ma nuque pour que le titan armure soit donné à Falco. Et ce sera la fin. Gabi, je suis désolé, je ne peux pas tenir, je ne peux pas te... je voulais le ramener à la maison. Celui qui va hériter du titan armure, c'est Falco. Oh, putain, poum poum poum. Et là, lui, il est prêt à partir là. Mais il n'y a plus rien. C'est le coup final là. Le coup final arrive. Oh, jolie position, hein. Là, eh, franchement, si j'étais. Si j'avais l'esprit mal tourné, ce qui m'arrive jamais. Hein. Là, je vois Rainer à quatre pattes, avec la tête au niveau de la bonne hauteur, et je vois un mec qui est là. Oh là, franchement, tu te poses des questions de ouf. Je me demande des fois si Isayama se rend compte des positions qu'il donne, parce que. Waouh, c'est assez ouf, quoi. Ouh, qu'est-ce que c'est? Attends, putain, la gueule qu'il a. J'ai utilisé tout mon pouvoir de régénération du corps. Maintenant, je vais me laisser mourir. Je ne veux pas mourir pour rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, attends, il a lâché d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les souvenirs de mon frère qui avait décidé. Comment il a décidé de rejoindre, de donner le titan d'armure pour me protéger. Ce chemin. Attends, this way, I made it crystal clear. C'est plutôt clair pour moi. Jusqu'à la fin, j'aurais fait tout ce que j'aurais fait. J'aurais essayé d'être le meilleur. Oui. Jusqu'à la fin, j'aurais toujours été le meilleur. C'est pour dire en gros qu'il était meilleur que Rainer, quoi. Mais vu la gueule que t'as, mon pote, t'es tellement rat ça. Voilà, ils sont tellement tous dégommés. Oh, et il l'a bouffé. Et il l'a bouffé, là. C'est. Oh mon dieu, il a bouffé. Il l'a bouffé, la vache, quoi. La vache gaillarde s'est fait bouffer. Fou, c'est impossible à imaginer. Impossible à imaginer ce genre de choses. J'avoue, j'y aurais pas cru du tout, personnellement, quoi. Est-ce que c'était Gaillard? Est-ce qu'il a fait ça pour sauver Falco? Bon, il a plutôt fait ça pour sauver Rainer dans ce cas-là, hein, parce que Falco aurait été sauvé quoi qu'il arrive. Oh, Rainer vénère là. Défonçage. Oh, il s'est cristallisé. Eh oui, Hardling. Hardwing. Hardening. Cristallisation. Et puis il se barre. Et il est baisé, Rad. Il est baisé. Il est baisé. Par contre, si Sigg il est en forme humaine, ça marchera pas. Il faut qu'il se retransforme en titan. Et là, je pense qu'il a plus du tout l'énergie pour. Quoi qu'il arrive, là, même s'il rentre en contact, ça ne marche pas parce qu'on sait qu'il faut qu'il soit transformé en titan. Et là, vu l'état de son corps, il peut pas quoi. Hein. Tu as très bien compris, tu as imité Pique en faisant semblant d'être mort. Et tu as ré c'était réussi. Encore un petit peu, et ça va marcher, Eren. Ouh, attention, il a réussi à sortir de là. Attends, il sort de là ou il se fait taper par quelqu'un? Je comprends pas trop là. Et non. Oh, il va le choper. Oh, il va le choper. T'es dans la merde parce que je pense que tu peux plus te retransformer là.
Oh, une lance! C'est qui a fait ça? Oh, bien joué! Attends, c'est Connie? C'est Connie, j'ai l'impression. Connie ou Jean? Ou un des deux, enfin voilà. Pouh, défonçage de bras. Comme ça, il a pu avancer. Et Eren vient ici. Oh, oh, le corps de Sig! Oh, regarde ça, c'est dégueulasse! Oh, c'est dégueulasse. Là, je laisse un peu durer le suspense, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça peut apporter qu'il se touche maintenant. Parce que j'imagine pas du tout Sig capable de se transformer en titan. Ça me paraît impossible. Oh là là, là, l'image. Ils vont se toucher! Ils vont se tripoter la nouille! Ouf. Qu'est-ce qu'il regarde là? Oh mon dieu. Et Gabi qui est en larmes là avec le pistolet. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, t'as Connie et Jean qui regardent. Là, je sais pas qui c'est qui regarde, j'ai du mal à repérer. T'as Armin et Mikasa qui sont en train de se battre avec le charrette qui visiblement n'a plus son équipement sur lui. Donc je pense vraiment que Magat mange les pissenlits par la racine. À mon avis, Armin a tué Magat là. Oh, ils sont bien vénères en tout cas. Hein. Oh, putain, elle va nous refaire une Sacha. Elle va nous refaire une Sacha. Mais c'est quoi cette arme? C'est quoi cette arme? Oh putain! Mais... Je vois pas quoi... Mais la tête de... Comment c'est possible? Il s'est fait décapiter? Quoi? Merde! Mais... C'est pas... Non mais... C'est pas possible, ça peut pas arriver, il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. C'est... Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh putain, il me faut quelques secondes, c'est pas possible qu'ils aient tué Eren. Oh mais Gabi, elle va être tellement détestée sur les réseaux sociaux maintenant, c'est un truc de ouf. Déjà que les gens pouvaient pas la blairer, là ça commence à aller mieux, mais bah, retour à l'envoyeur, quoi. Et la tête de Sig à la fin, quoi. Oh là là, une balle de détermination a percé le petit frère. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Putain, c'est ouf! Comment on pouvait s'attendre à ça? Comment c'était possible d'envisager un truc aussi hallucinant? Alors là, je suis en train de parler, ça fait 2 minutes, montre en main, hein, que j'ai essayé de me remettre de la chose. Hein. J'ai tourné en rond dans la pièce en disant « Non, c'est pas possible, ça n'a pas pu arriver, ça n'a pas pu arriver !» Ça doit être une vue de l'esprit, j'y crois pas. Mais, waouh! Tout était épique. J'ai presque pleuré au moment où t'as le gars, enfin, Porco, enfin, le frère de... Enfin, le frère de Falco qui arrive et qui supplie Sig, qui se transforme pas. Et au moment où il lui fait un câlin à son frère, mais c'est tellement touchant. C'est tellement touchant. J'ai jamais été aussi ému dans un manga de toute ma vie que dans ce fameux chapitre 119. Isayama, t'es un putain de génie, mec. C'est dingue. Je veux dire, je regarde le chapitre 118, je me dis, ça y est, Isayama, il a mis la barre tellement haut, jamais j'arriverai à avoir des chapitres de manga qui sont à ce niveau-là. À chaque fois, à cause de Isayama, je vais être moins impressionné par ce que je vois parce qu'il a mis la barre trop haut. Et le mec, bam, le chapitre suivant, il refait mieux encore. Il a refait mieux qu'avant. Comment c'est possible d'être aussi doué pour des mangas? Comment tu peux pas mettre SNK en top mondial numéro 1 de tout ce qui existe au monde en termes de mangas quand tu vois ce genre de choses? Qui aurait pu imaginer ce qui vient de se passer? Qui aurait pu se dire que c'était Gaillard qui allait se sacrifier pour que Falco puisse vivre, quoi? Avec ce flashback où il voit son frère qui a essayé de le protéger. C'est tellement touchant, bon même si... J'avoue, c'est un peu chelou parce qu'il dit qu'il a essayé de protéger son frère en l'empêchant de se transformer en titan. Et lui, il va condamner, entre guillemets, Falco à se transformer en titan lui aussi. Et à être condamné à suivre les ordres de marbre. Bon, après, c'est pas pareil, il était déjà en titan bête. Donc, quoi qu'il arrive, il pouvait plus rien arriver de bien à Falco. D'ailleurs, sa transformation en titan, waouh, qu'est-ce que c'est laid. Oh, qu'est-ce que c'était laid. J'imagine pas, avec la mâchoire qu'il a, en titan mâchoire, il va juste être ouf. Il va avoir un putain de truc de dingue, quoi. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler, parce que... Waouh! 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 Et puis en plus, il va être immense. Parce que en général, ils reprennent toujours un peu le physique qu'ils avaient avant. Rappelez-vous, Ymir, quand elle s'est transformée en titan en mâchoire, elle avait le même physique, c'est juste qu'elle avait les dents qui étaient pointues au lieu de carrées comme avant. Et, bon, on n'a pas vu la transformation de Gaillard, mais je pense que c'est à peu près pareil. Donc tu te dis que là, ça va être ouf. Ça va être ouf! Putain, mais ce...
Mais je vais mettre des jours à m'en remettre là. Et pas juste à cause des événements qui sont passés, mais de la façon dont Isayama les a racontés. Qui aurait pu penser que Falco se transformerait dans ces conditions-là, avec Reiner qui est en plein milieu du combat avec Eren et qui est coincé dans cette dualité où il ne sait pas s'il doit sauver Falco ou il doit arrêter. Enfin, il sait qu'il doit arrêter Eren, mais il veut pas, il veut laisser Falco le bouffer, mais il doit quand même avant neutraliser. Et puis tous ces moments, quand tu vois le titan en bon pic, il faudra que je vois un petit peu. Je referai une review sans doute après-demain pour en parler, mais. Je trouve qu'elle a très vite réussi à remettre son armure sur elle, quoi, et à retaper. Mais putain, c'était ouf, quoi. Oh là là, mais... Je vois pas quoi dire. Honnêtement, c'est... Je ne sais pas. Je suis pas encore remis de mes émotions, parce que là... Waouh, waouh, waouh. En tout cas, là, le titan, enfin, Pic, elle a réussi... Enfin, ils ont réussi, grâce à Magath, à démonter le bestial, qui était vraiment en sale état. Je comprends pas, hein, comme j'ai dit dans le live action, je ne comprends pas comment Eren et Sick pouvaient espérer faire quelque chose, parce que on sait, en théorie, que Sick doit être transformé en titan pour que ça marche et qu'ils puissent faire leur vœu, là. Tu peux pas, là. Tu pouvais pas. Sick, t'étais pas en état de te transformer. Forcément, ça allait mal se passer, quoi. Par contre, Gabi, mais tu kiffes être détesté par le monde entier, c'est pas possible, quoi. Là, au moment... où on commençait un peu à reprendre espoir et à se dire « Gabi, on va la sauver », et ben il se passe ça, quoi. Après avoir fait une Sacha, elle nous fait une Eren. Et franchement, qui aurait pu le voir venir? Qui aurait pu voir venir ce qui vient de se passer? Moi, en tout cas, si vous aviez vu mes prédictions sur le chapitre 119, et ben pas du tout. Et j'ai pas honte de le dire, ça fait plaisir de voir que Isayama, il bouscule un petit peu les conventions. D'autant plus qu'il fait ça avec brio. On a tout dans ce chapitre. On a de l'action, même si ça reste très limité, c'était super classe. Le moment où Reiner, il est en train de choper la jambe d'Eren, et que derrière, t'as son pote Falco qui est en train de le bouffer à moitié, eh ben c'est super kiffant. Pareil, les moments d'émotion, quand on voit Pixie qui est en train de boire de l'alcool alors que il sait qu'il est condamné, c'est évident. Il a entendu le cri de Sig et il sait qu'il va se transformer dans les secondes qui viennent. Gaillard qui a son flashback qui va complètement anéantir sa volonté de se battre. Et puis le câlin entre les deux frères, là, au moment où Falco, il va se transformer, et il dit à son frère, va-t'en. Et l'autre, il dit, non, ton grand frère sera toujours avec toi, et que lui, il est là, à tendre la main vers Gabi. Mais c'est tellement émouvant, ces passages-là. Comment Isayama arrive à transposer autant d'émotions entre la hype et les frissons que j'ai eus des combats, et puis ce côté émotionnel avec la petite larme à l'œil qui était à deux doigts de couler. Non, franchement, c'était juste ouf gueudin. Tellement ouf que, moi, vous me connaissez, hein, j'ai pas l'habitude de dire ça, et ben, une note sur 10, je vais lui mettre un bon petit 10, parce que vraiment, il le mérite. Autant les chapitres, en général, je dis qu'ils sont pas parfaits, là, je vois difficilement comment on aurait pu faire mieux. Bon, je vais m'arrêter ici, parce que sinon, je vais encenser le manga pendant des heures et des heures, et puis il y a la review qui arrive dans quelques jours, ainsi que le live, donc j'aurai le temps de revenir un petit peu sur les sujets importants de ce chapitre. On va donc s'arrêter ici. N'oubliez pas également le pouce bleu si vous avez apprécié ma vidéo, et puis le partage et les commentaires, les deux choses les plus importantes pour que les vidéos soient plus mises en avant, c'est de faire un maximum de commentaires, donc donnez votre avis, mettez une note à ce chapitre, même si c'est juste pour mettre un commentaire à 10 sur 10, il le mérite, donc allez-y, dites-le, exprimez-vous, dites à quel point vous aimez ça, et dites-nous aussi, enfin dites-moi aussi, ce que vous pensez qui va arriver pour la suite. Et puis bien entendu, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas non plus à visiter mon lien Utip. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Quant à moi, eh ben, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très très bientôt, sans doute samedi ou je pense que c'est un samedi, pour la review de SNK et puis peut-être une autre vidéo entre-temps, toujours sur SNK. Et puis d'ici à ce qu'on se revoie pour le live au moins, hein, où vous pourrez participer et me dire ce que vous en avez pensé, eh ben, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !